like the girls with their nails done now. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour un nouveau parcours de MN, le Penumbra FF Parcours. Donc, chaîne YouTube et lien de l'activité en description. Et on est parti, 15 points de passage. Ah, ce coup-ci on a la description. Parcours E05. Ok, Fort Park Mode, qui est là, parcours asian, difficile, hard. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça la description. Ce n'est pas la description de la bonne activité. C'est marqué facile, normal. Oh, c'est un fail, normal, j'avais les doigts sur 4 touches en même temps. Ok, c'est parti. Ça passe. Allez, let's go. Oula. D'accord. Alors, je n'ai pas conduit cette voiture, je ne l'ai pas achetée. Et elle est énervée de fou. Il me semble que j'avais vu comme quoi elle était très rapide, mais qu'elle n'avait pas beaucoup de tenue de route. Ah ouais, non, mais c'est pas... Je vais faire ça en marche arrière, je pense. C'est trop rapide pour moi. Début compliqué. Voiture voilà. Fragile quand même. La Penumbra en général. C'est Mitsubishi. Ah ouais, non, mais j'ai la poisse. Ça fait 2 heures que je suis en parcours. Je commence à m'épuiser, hein, de chaque... C'est chaud, hein. Le début est hard, hein. J'ai envie d'aller tout droit, mais ça me tente, hein. Est-ce que c'est pour troll celui-là ou pas? J'étais tenté d'aller tout droit avec la puissance de la voiture. C'est bon. C'était moyen, mais ça va. Alors ici, je connais le glitch, je l'ai vu récemment, mais pas dans ce parcours. C'est là on voit à quel point Rockstar fait pas du super travail au niveau des éléments. Il nous en propose des nouveaux, mais voilà, il y a ce genre de petit souci qui aurait pu être sympa pour un face-to-face par exemple, mais il y a des trous malheureusement. Il y a un sacré écart, hein. J'aime pas ça. Et ouais, j'aime pas les écarts, j'aime pas, je tombe. On recommence. Il y a eu le point. Wow, ça passe de justesse. J'ai pas failli avoir assez d'élan quand même. Faut aller où là? Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est des cratères à l'envers. J'étais en train de me demander qu'est-ce que c'était. La vitesse, tu me troll ou quoi? Ah, faut faire le tour. Bon, ça va, ils sont pas rapides ceux-là. J'ai fait un parcours avant, laisse tomber, hein. La galère. Ah, je me fais troll à chaque fois. Déjà là avec son parcours en Cerberus.
Je m'en fous, ça passe. Un peu compliqué, mais ça va. Hop. Pour l'instant, ça va. À part le début un peu chaotique. Ah, c'est pas... Je sais pas. J'ai l'impression que je suis pas allé... Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec la voiture, elle se dévie tout seul vers la droite, c'est pas le côté gauche bizarrement. Je sais pas, il y a vraiment des trucs bizarres. Ah ouais, tu vois, il y a un petit décalage vers la droite entre les éléments. Et ça se resserre de plus en plus. Oh, ok, je vois. Elle est vraiment énervée, la voiture. Je sens que je vais me faire troll. C'est ça, hein, y a un truc qui monte et qui descend. Ah ouais. Et tu fais comment? Pour savoir si tu passes ou pas. On s'est passé justice. Moi j'ai chaté, hein. J'ai chaté. Alors, ensuite. Non, 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 non. Oh, c'est tellement jaune que je vois pas la bordure intérieure. Parce que j'ai quasiment la saturation au maximum. Oh la vache. Holy shit. Hop, Fast and Furious, c'est pour moi. Bonjour, au revoir, allez. Il y aura une place de parking ici. C'était magnifique. Alors, où sont les boosts? Attends, vous remontez la marche arrière? Bah ouais. Ah, je le vois le boost. Il est caché là. Petit malin. Je sais pas si je triche pour le coup ou pas. Je sais pas si j'ai triché. J'ai... je suis un salaud. Je triche quasiment tout le temps maintenant. Ah, je sais pas, je vois un demi-tour que sur la première phase, j'y vais. Ok. Ouais, c'est un parcours. Je m'en sors bien. Vraiment. Mais pour le coup... Ok. Ça, c'est assez inédit pour le coup. Qu'est-ce que... Ouais. Assez incroyable. Hein. Quand même. Bah super parcours, Max 9. Ah d'accord, se jette dans le vide. Bon, y a pas de problème. En tout cas, j'espère que le parcours vous aura plu. N'hésitez pas
si vous l'avez aimé, à liker, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour la suite des vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.